Bienvenue à toutes et à tous les amis sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir vos packs Hero Max 88. On va croiser les doigts pour vous packer du lourd. En tout cas les amis, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker et également à vous abonner. Merci énormément du soutien les frérots. Franchement ça fait trop plaisir et on se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés. Les amis aussi, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez eu dans ce fameux pack 88 plus Max. Et aussi n'hésite pas à aller checker la story Insta pour savoir si t'as une victoire ou une défaite. On a mis ça du coup sur notre story Insta. Le lien est dans la description. Les amis, le premier pack de la soirée sur vos comptes. Bonne chance à toutes et à tous. On espère du lourd. Déjà, c'est un colosse. Carragher. King. Non, pour moi, c'est King. Pour moi, c'est King. Carragher, il a pas les épaules. C'est vrai qu'il a pas les épaules comme ça. Hein. Pour moi, si c'est King, c'est gros. C'est King. C'est King, mon ami. Victoire. Ça bosse. En plus, t'es en 5 def. Tu voulais un DC, on te le donne. Allez, le deuxième pack, Heroes. Allez, on veut voir une deuxième victoire. On veut en enchaîner maintenant. Allez. Ouh, c'est petit ça. C'est bon, Pastor, ça pour moi. C'est joli ça. Ah, Julie. Julie, pour moi je l'ai vu tout de suite, Julie. Alors honnêtement je l'ai, moi personnellement je l'ai dans mon club. Ça peut être un bon super sub, mais c'est une défaite quand même. Tu utilises ma formation mon frérot? Enfin ma formation, non mais tu utilises la même formation que moi. Par contre à la base DG, ok. En fait il faut une grosse carte héros. À la base moi je mettrais plus DC tu vois. Le troisième de ce soir les amis, on espère du lourd. Et déjà je veux voir l'animation moi. Animation. Ouh. Je m'en l'arrête. C'est bien. Tu sais qu'il est fort. Hein. Il est très bon. Il coûte pas mal de crédits en plus. Je crois que c'est plus de 300 000. Si t'es une grosse équipe déjà, c'est super sub. Donc c'est correct. Petite victoire. Mais si pour l'équipe du frérot, je pense que c'est une bonne win. Ok, donc tu joues en 4, 1, 2, 1, 2, 2. À ce qui paraît, Danny Parero, il est très fort. Bon courage. Il a 160 000 crédits, frérot. J'aimerais bien avoir un Schneider sur vos comptes. Tu vois, une grosse... Compagnie. Moi, c'est compagnie que j'aimerais bien voir ce soir. Une grosse win. Lunchberg. Défaite. Big défaite. C'est peut-être l'une des pires cartes à avoir. Pour moi, c'est une des pires cartes. Ouais. Bonne chance, mon ami, pour le pack Hero 88 max. On n'a même pas vu ton équipe. Scott. Ouais. Dommage. Parce que là, c'est vraiment une défaite. Désolé, mon petit prince. Ouh, ouais, ça, c'est l'équipe de Matisse. Elle est très méchante, les gars, son équipe à Matisse. Cordoba. Et pour le coup, il faut un Cordoba dans son équipe parce que son Cordoba est vendable. Les gars, Matisse, je le rappelle, il passe Fut Champions, mais l'ancien Fut Champions. Il a fait 15-0. Il avait eu Ricalmé dans son pack icône. On avait ouvert sur la chaîne secondaire, du coup. Et là, c'est son équipe. Il a acheté petit, il joue en 4-4-2. Et il va sûrement vendre Bale, voilà, pour la petite update. Et la semaine dernière, il a fait 13 victoires. Il a packé Valverde en invendable. Elle est très méchante, l'équipe. Non, il avait packé Valverde vendable et Vini invendable. Ouais. Il s'était mis trop bien. Très, très, très méchante. Et là, il a 486 000 crédits. Et j'espère pour notre ami Mathis Servet, joueur professionnel de D2 Bell. J'espère qu'il aura une défaite, les gars. Allez, bonne chance, mon frérot. Aïe. C'est une animation, mon. DG, bon Pastor. Yes. Je la joue. Elle est pas mauvaise une game, mais le problème c'est que physiquement, c'est une défaite. On est content. Trop petit. Physiquement, elle se fait trop prendre à l'épaule, c'est compliqué. Un King, ça peut être sympa. Hein. Allez, bonne chance l'ami. Non, Forlan on peut aussi, Forlan on peut. C'est Guti ça, non? J'ai l'œil. Ouais. J'ai la vista. Guti. Petite victoire. C'est un bon petit joueur Guti. Ok, t'as mis deux yons en rouge, Rodri. Ah tu es... Par contre là il est devenu invendable du coup. Et t'as eu Adji dans quel pack mon ami? Et tu vois moi Adji je mettrais plus côté gauche pour mettre des tirs puissants mon frérot. Comme ouais. Ça les tirs puissants c'est toujours plus puissant quand tu fais des tirs côté opposé. Bonne chance mon ami. Ouh je crois que ça c'est... Pharah Williams. Non Kessler? Nadine Kessler. Correct. Je sais pas si ça rentre dans ton équipe par contre. Faut la mettre dans un milieu à 3 je pense. Ouais. Mais elle est pas mauvaise hein. 3 millions 9 t'es bien par contre. Ziani. Après Mbappé est-ce qu'on peut te packer du lourd? Marquez. Dommage. Il est pas mauvais in game. Hein. Mais je pense que pour un joueur Div Elite comme toi, je pense que c'est un peu limité. C'est limité, ouais. Tu fais jouer Guerrero au milieu de terrain. Sympa l'équipe. Hazard ou nada. Il est clair. Il veut Eden Hazard ou rien. Malheureusement pour le frérot, ça va être rien. MOC. Francescoli. Il est trop fort en draft. Il est trop fort en draft. Franchement, tu t'en sors bien. Je trouve que Francescoli, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Moi, j'aurais pris avec plaisir, hein, franchement. 4-1-4-1 aussi. Ok. Ouais. Par contre, le mitard, Lorente, Patrick Ijarro, je pense que c'est un second compte, ça, non? Alors, 7 millions de crédits et t'as cette équipe-là? Et t'es en Div Elite? Je sais reconnaître un frérot qui, tu dis, tu penses c'est une free win, tu penses que t'as lancé un match de draft. Au final, tu tombes sur un grand méchant. Faut m'expliquer, les gars, je comprends pas. Moi, j'ai 7 millions, mais je débourse tout pour acheter des joueurs, les gars. Ah, peut-être que t'attends demain. Parce qu'en vrai, là, tu fais un bon coup d'achat vente avec 7 millions de crédits. Ça y est, t'es bon jusqu'à la totie, chef. Hein. C'est donc toi qui braque nos petits frères? C'est donc toi? Bonne Allez. Chance! Avec tes 7 millions de crédits, tu peux t'acheter qui tu veux. Pas d'animation. Nour. Ah c'est lourd. Parce que Al Warren c'est AD. Ah défaite. Aïe.
Par contre, ça peut peut-être rentrer à la place de Lorente dans ton mitard. Ah, et ça a quitté. Ok, t'as eu Hernandez. Sympa l'équipe. T'as eu de la chance, toi. Hein. Attends, par contre, t'as déjà eu Compagnie et Rudy Voleur. C'est-à-dire, dans tes récompenses Fut Champions, t'as eu de la chance un peu. Et même, t'as eu Wirtz, t'as eu Hernandez. Franchement, tu te régales, toi, ce début d'année. Hein. Tu sais, Compagnie, c'est bien de fou. Hein. Compagnie, là, en plus, ça te carré au moins jusqu'à décembre. Ouais. Bon courage. Allez, on espère du lourd pour toi, Mehdi. Ok. Oh, attends. Kewell. Eh ben, les amis, je vais vous dire une petite chose. Kewell, Voleur, Compagnie. Il est bien, frérot. Ah, c'est fort, hein. C'est très, très fort. GG, mon frérot. C'est peut-être pour moi la première grosse win d'aujourd'hui. Oui, la première très grosse win d'aujourd'hui. Allez, bon courage, mon goat. 1,8 million de crédits, t'es bien. Mais qui tu vas avoir? Eh ben, c'est Ricardo Carvalho. Eh ben, tu sais quoi? C'est pas forcément mauvais, mon frérot. Teste-le au moins. C'est pas forcément mauvais. C'est pas dans la catégorie des fêtes. Et c'est très, très, très intéressant, surtout avec ce playstyle. Pas beaucoup de personnes d'ailleurs, les gars, pas beaucoup de joueurs ont ce playstyle plus. Tu dois bosser en plus avec Lydie Nathalie, hein. C'est que je l'ai eu en draft. C'est l'autre solide, jour, les gars. C'est une folie, Lydie Nathalie. Mais vraiment, quand je te dis c'est une folie, c'est vraiment une machine. Allez, bon courage, mon BG. T'as 10 000 crédits, par contre, au niveau crédit, c'est un peu ric-rac. Mais t'as eu Rudy Voleur et t'as eu Antonio Di Natale déjà dans tes packs hero. Et là, c'est une animation. Et là, c'est BU. Berbatov. Par défaite. Contre, ça, c'est une grosse défaite. Berbatov, on l'a même pas vu il y a 2 semaines, hein. Je crois que c'est une des premières fois qu'on le pack, Berbatov. Allez, pack héros de base. Allez, j'espère que la récompense rivale, c'est pas à 8h. Rize. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sur notre liste, Rize, on l'a mis mid. C'est peut-être un peu lent, mais en termes de physique, en termes de gabarit, c'est vraiment pas mauvais. Vélogoth. Merci, Goth. Ok, il faudrait que tu cherches Team of Duke, toi. Et t'as fait l'évolution de Joe Gomez. Son, je veux juste voir du coup ton ratio avec lui. 103 matchs, ouais, 75 buts, 23 passes D. En vrai, je trouve que c'est pas beaucoup, hein, pour. Je trouve, hein, personnellement, que c'est pas énorme. T'es en quel div? Div 3, 3, ok. On a quand même besoin d'un bon joueur, là. Allez, bon courage, mon ami. Ouh, Scott, non? Car. Non. Bon pasteur. Bon pasteur. Ça peut donner du lien à Karchaoui. À la limite, ce que tu peux faire, c'est mettre Karchaoui MG et bon pasteur DG. À la limite. Du coup, le côté gauche. Ouais, mais le côté gauche, ouais. Ouais, je pense que si en face, il y a un mec, il utilise Adama Traoré ou un milieu droit bien costaud, bien physique, compliqué. Hein. C'est le problème de bon pasteur. Ouais. Je l'ai, les gars, dans mon équipe, mais elle se fait bouillave à l'épaule par Traoré. Tous les mecs en Divinity, ils jouent avec tous ces Adama Traoré côté droit, c'est porte ouverte. Hein. Par contre, Zé Roberto, tu bosses. Hein. Zé Roberto, oh, coach, les gars, en vrai. Vous savez qu'il y a beaucoup. On se balade sur vos comptes vite fait, les gars, vous avez de la chance, hein, quand même. Quand même, hein. Allez, bon courage, mon ami. Bayu. Oh, All for Lone. Ah, c'est magnifique. Waouh. Okocha, Zé Roberto, For Lone. D'ailleurs, les gars, pour tous ceux qui ne savaient pas l'anecdote, c'est grâce à notre manager, slash Marco, slash ami, que Diego For Lone est dans le jeu, les gars, pour tous ceux qui ne le savaient pas. Ouais, c'était belle déjà petite sur anecdote. FIFA 23, je crois qu'il a été mis. Ouais, première fois. Petite anecdote, voilà. Peut-être la première fois que vous lui entendez, c'est là aussi, c'est là, non? Est-ce qu'on a d'autres anecdotes de ce genre à raconter? Avec un joueur de l'équipe de la semaine, mais bon, je pense que ça va énerver tout le monde. En tout cas, mon frère, il faut un MOC là. J'ai pas envie de la dire, mais vous savez très bien, les gars. Et moi, j'en ai une avec. Un joueur de l'équipe de la semaine, c'est pas Moussa Diaby, mais c'est Gvardiol. Gvardiol, très très sympa, on l'a vu à la cérémonie du Ballon d'Or l'année dernière. Il y a pratiquement un an. Très très sympa. Et tu sens que c'est un gars gentil, limite un peu timide. Alors que sur le terrain, tu vois, il en donne. Hein. Il a mis un super but d'ailleurs ce week-end. Il met que des bangers, Gvardiol. C'est une folie. Et c'est un joueur tellement sous-côté, mais ouais, ça s'avère d'être un très gentil garçon en tout cas. Très gentil garçon. Bah, pas méchant, tu vois, tu le sens. Non, mais ça se voit que c'est un bon. Ça se voit que c'est un bon de fou. À chaque fois qu'on va sur vos comptes, à chaque fois qu'il y a deux grosses wins déjà dans les Heroes, il y a la troisième. Là, t'as déjà eu Matuidi, invendable. Smolarek en invendable. Les gars, je vous garantis, là, pour moi, là, ça va être une victoire. Tu penses? Je pense que ça va être une victoire, les gars. Je vais pas sur-hyper le projet, mais je pense que dès qu'il y a deux victoires dans l'équipe titulaire, tu vois, là, jamais 203. Là, il y aura une grosse victoire. Ouais, t'inquiète. Est-ce qu'on peut considérer ça comme. Ouais, c'est une défaite. Non, c'est une défaite. C'est une défaite, oui. Mais techniquement, si t'as été faire la Ligue nord-américaine féminine. Et il l'a déjà. Vous voyez, les gars, dans cette situation, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en spy cam. Et tout de suite, on va vous demander une petite question pour vous faire oublier qu'on a packé une petite défaite. Ouais, vas-y, dis, l'homme. Les amis, la petite question tapine. Messi ou Ronaldo? Non. Vince, il va s'en aller. T'es pas obligé de la poser, l'homme. T'es pas obligé de la poser. C'est l'urgence, Vince. Faut tout de suite faire oublier qu'on a packé une défaite. Non, ça, c'est la petite question tapine où les deux communautés peuvent s'entrechoquer. Et comme ça, c'est bien pour le référencement. Tout le monde met un petit commentaire. Et c'est super pour le référencement. Merci à vous, les gouttes. Sorry, bro. Business is business. Très vicelard. 2 millions de crédits, mon frère, t'as cette équipe. Allez, bon courage, mon ami. T'as mis des crédits de côté, t'as pas une équipe de furieux devant. Ça m'a l'air d'être un décès, ça, non? Most of all.
Force mon petit prince. C'est que de loin, j'aurais dit Grisou. De loin, ouais. De loin, non, je sais pas, peut-être il te manque tes lunettes à la limite, mais non. C'est qu'en plus, je les ai pas bien. Il faudrait par contre une bonne carte rose pour toi défensivement, mon ami. J'espère un bon DC, un Ricardo Carvalho, un King, ça peut être pas mal. Lucio, Cordoba. On vise peut-être ce genre de joueur. Et ça m'a l'air d'être un méchant. Je crois que c'est King. Et ça m'a l'air d'être un méchant. T'avais besoin d'un DC. Dis-nous, mon ami, si t'es content ou pas. Je pense que ça, c'est jouable dans ton équipe. C'est juste peut-être un petit peu au niveau de sa relance où des fois faut faire attention. Mais sinon, défensivement parlant, c'est très 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 costaud, je trouve. Les amis, Daria Jazeli. Le méchant loup, il est là. Comment ça se fait, d'accord, que wow. T'as acheté une carte à 10 millions de crédits, mais par contre, à côté, tu enlèves R9, c'est l'impression que c'est une équipe fodeur. Bon courage, mon ami. Il veut pas de buteur. T'as R9, frère. T'as juste une partie. Hein. Bah, ça peut bosser au milieu de terrain. Hein. Ça peut bosser au mi-terrain, mon frère, mais bon. Attends, R9 c'est 15 millions sur le marché là? Vraiment? Il y en a pas sur le marché, vous me dites? Il coûte 15 millions? Attends, il est dans quel div déjà? Div 3. Oh, les petits frères que tu dois affronter en division 3, ils doivent être traumatisés. Ah, il y en a un, mon dieu. Frérot. Je pense que c'est ça la plonque. C'est que t'achètes direct un R9. Frérot, tu l'as acheté. Non, mais en fait, tu l'as acheté quand? T'as déjà fait pratiquement 200 matchs avec. Mon dieu. Vous êtes dans la situation du frérot, les gars. Vous le vendez ou pas? À 15 millions. Moi, je garde encore. Par contre, dès que je vois qu'il y a un peu de panique ou un truc comme ça, je le vends. Non, moi je le vends, frère, 15 millions, je le vends. Parce que honnêtement, là tu vois, t'as R9, mais autour. Ouais, c'est sans manquer de respect, mais autour. Tu mets des pansements en fait sur ton équipe. C'était de la poudre de la perlimpinpin. Il attaque et il défend avec R9. Mais c'est ça. Par contre, t'es trop bien avec Kadiza Tudiani Paquet. Elle est trop forte. Elle est trop, trop forte. Même en draft, là, tout à l'heure, j'ai utilisé. Le truc avec Kadiza Tudiani, c'est qu'elle est vraiment très agile et en même temps, elle est physique. Ouais, donc elle tient à l'épaule en fait. Elle tient bien à l'épaule, ouais. Elle est super agile. Donc c'est rare d'avoir ce combo là entre force et agilité. J'ai un bon feeling, Vince. J'ai un bon feeling, Vince. Mario Gomez, là. Attention. Ah oui, c'est vrai. Parce que voleur, c'est 14. Attention, Liam. Attention. Attention, Liam. Le bon feeling, attention. Tu l'avais oublié, celui-là. Bon courage, mon ami. On espère du lourd. Ouh. Alors, vous voyez, les gars, quand c'est comme ça. Désolé, Otaki. Lourd, comme ça, Scott. On va très vite partir, mon ami. Non, mais c'est une victoire parce que Scott, elle peut donner du lien à ta Lauren James. Méchante, l'équipe. Très méchant. En plus, il y a de la couleur. Pour le coup, désolé de faire la blague, mais c'est pas une équipe de Rassler. Il y a de la couleur partout. Et je vais pas te mettre le jaune là-dessus. Mais les gars, oui, c'est la vérité. Mais attention, Vince, au propos, attention. C'est la vérité, les gars. C'est... Y a rien, mais j'ai le droit de dire les termes. C'est pas une équipe de Rassler, c'est une équipe arc-en-ciel. C'est y a de la couleur. C'est un tacle très appuyé, Vince. Mais je récupère le ballon et le mais ballon. Tu récupères le ballon. Oui. Tu sais pas, c'est normal. Mais là, tu vois, en tant qu'arbitre, je suis obligé de te dire calmez-vous, monsieur. C'est un tacle appuyé, oui, ouais. Mais je récupère le ballon et j'ai mis les pieds sur le ballon. Oui, peut-être le joueur est parti. Mais au moins, j'ai récupéré le ballon. Ça fait partie du foot, c'est ça. C'est un sport de contact. Belle petite équipe, en tout cas, mon ami. T'as 38 000 crédits, donc il faut quand même un petit joueur star, j'ai envie de te dire. Bonne chance, mon frérot. Allez. Au moins, c'est l'animation. Bayu. Okocha? Non. Vincent, nettoie tes lunettes, toi. J'espère que t'as fait exprès. Victoire. Il fait honte. J'ai joué la matraque. La matraque du 59. C'était pour les commentaires, les gars. Regardez-moi ça. C'était pour ça. Là, j'avoue, les gars, j'ai joué pour le taux d'engagement. Je l'ai joué. Vince qui me vole la vedette. À toi, le L. Ok. Tu me fais confiance. Je vais donc te paquer du lourd. Mon frérot, il te faut vraiment du lourd dans ton équipe. T'as trop de régulars. T'as beaucoup, 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 beaucoup trop de régulars. Bonne chance, mon ami. T'as 45 000 crédits. Ah, c'est dur. Tu sais que là, il a. Une grosse win pour le frérot. Allez, en plus, il me fait confiance. Il a un pied dans le vide, le garçon. Est-ce qu'il va mettre les deux pieds? J'en ai bien peur. On se revoit sur OG Fortnite dans un mois. Allez, bonne chance, mon ami. Bonne chance, mon frérot. J'ai été faire une Rio Mavuba sur Zlatan. Non. Non. T'as l'image en tête. Oui, j'ai l'image. Oui. Alors peut-être que vous avez vu ou pas, les amis, mais en parlant de Putelas, parce que le frérot, il a eu dans son pack en invendable, les amis, on voulait vous montrer quelque chose. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. C'est pour ça, les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou Insta. Mais Putelas, c'est l'une des candidates pour le POTM du mois d'octobre en Liga Féminine. Donc ça, tu vois, c'est les nominés. Après, et voilà la potentielle carte. C'est une prédiction. Les gars, c'est moi qui ai fait la carte. J'ai juste changé un de ses playstyles et j'ai gardé les mêmes stats que sa carte Rush. Donc voilà. Donc c'est une petite prédiction que j'ai faite. Je lui ai donné le playstyle Tiki-Taka parce qu'elle avait déjà en ballon. Et généralement, pour les POTM, ils aiment bien changer... Un petit playstyle. Ouais. Donc bon, si c'est... Les gars, par contre, si c'est Putelas... POTM, les faudeurs, faudra y aller. Je crois qu'en plus elle mérite parce qu'elle a mis 3 buts. Je crois que c'est elle en plus qui est la favorite.
Après le Barça féminine, les gars, c'est eux les très 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 grands méchants du monde. Et si vous voulez aussi léguer une autre anecdote, puisqu'on est là pour en donner des anecdotes ce soir c'est la soirée anecdote. GG Farrah Williams. Bah comme vous pouvez le voir les gars, tout le monde va entendre mon anecdote. Ce week-end dernier les amis, le Barça féminin a affronté Levante Union Deportiva. Un match voilà, un match de championnat d'Espagne féminin. Mais par contre les gars, pour ceux qui ne le savaient pas, dans l'équipe de Levante, la numéro 16, elle s'appelle Anissa Lamari. On a grandi avec elle. On a grandi avec elle. Voilà. Ouais. On a grandi ensemble et on a joué au foot ensemble. Bon, c'était la cour de récré, elle était déjà très 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 forte. Ouais. Donc voilà. On lui passe le petit bonjour, on espère qu'elle va très très bien. MOC ? Nakata ? Ah ! Défaite ! Défaite, défaite mon frérot. Parce qu'en plus t'as pas de série A. Si t'avais une série A, je t'aurais dit à la limite, vas-y ouais go, c'est plutôt bien. Mais comme t'as une MLS féminine, en plus c'est un doublon. Attends, c'est peut-être vendable. Ouh, ça m'a l'air d'être du lourd ça. Ça m'a l'air d'être du lourd ça. Schneider ? Ah, désolé mon petit prince. Allez, bonne chance mon frérot, on veut du lourd. Pour l'instant c'est un peu compliqué hein. Est-ce que ça peut être ce pack là? DG, Reese. Reese. Correct. John and Reese. Parce que tu peux faire un Paris-Munich en voiture, mais je crois que c'est 7-8 heures et flemme. Justement parce que si on part c'est Barbatov, si on part à Munich, ils sont en avion en mode détente. Très 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 avec très un frérot qui a le nom d'équipe, Liam le Goat. Et c'est pour ça qu'on va te packer du lourd mon ami. T'as 185 000 crédits, let us cook. Laisse-moi te cuisiner un bon petit plat sur ton compte. BU Mario Gomez, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Bonne chance. Let's go. On veut voir la première grosse, grosse win, là. Je pense pas que c'est une grosse win, ça. Hein. MOC. Ah, Litmanen. Ah, c'est dur, quand même, les gars. Ça y est, c'est déjà la fin de ce pack opening où on a ouvert vos packs Hero Max 88. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et également, on se donne rendez-vous demain matin à 9h sur Twitch. Le lien est dans la description pour ouvrir nos récompenses Division Elite. On va croiser les doigts pour avoir du lourd. En tout cas, les frérots, merci à toi. N'hésite pas, si tu veux interagir avec nous, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description également. Gros bisous, les frérots. Moi, c'est Liam. Moi, c'est Vincent. On se dit à demain matin. Ciao.